cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Bien-être et Beauté. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Et pas oublier que l'émission est disponible sur YouTube, on y tape émission Bien-être et Beauté et pour obtenir pile émission que vous remet et vous capable de partager avec vos amis. Je dis à l'émission Bien-être et Beauté, comme d'habitude, c'est moi-même Léonie Desroses, infirmière tricologiste. Cap du point tichèze bore, les amours, vin suivre une belle émission. Je dis à nous un bien-être à 100%. Et pour nous parler de bien-être, pour nous parler de la musique, sujet nous aujourd'hui, nous allons parler bien fait musique là. Action, on nous dit qu'on action musique là gagne sous nous-mêmes. Et nous-mêmes cap fait, nous cap tendel, comme si nous allons parler de musique, je dis à nous émission bien-être et beauté. Et puis pour nous faire ça, nous connaissons. Émission Bien-être Beauté toujours gain des invités qui passent de présentation. Nous avons madame Béatrice Florence Bastien Georges qui c'est ingénieur informatique et elle fait musique depuis moi c'est depuis notre maman. Donc et parce que l'autre des Mercier, il sorti il gont lien avec la famille Mercier qui c'est musicien tout dans la famille. Béatrice, bien content gain on émission Bien-être Beauté. C'est un plaisir. Bonsoir Léonie. Et c'est un plaisir pour moi tout pour m'avoir nous aujourd'hui hein, pour nous parler de musique qui c'est une passion moi. Et moi je vous remercie pour l'invitation ça. Et bonsoir téléspectateurs, moi content avec nous aujourd'hui. Au monde qui a regardé Béatrice. Il y a monde comme si bon tout le monde, grand pile monde qui connaît on c'est professeur, yo connaît dans plusieurs chapeaux mais qui soit à rien que public là connaît de où. Qui est-ce qui Béatrice Georges? Eh ben en quelques mots, capable dire que Béatrice Georges de nom complet Béatrice Florence Bastien Georges. D'abord, c'est un ingénieur électronicien, c'est profession moi. Mais moi spécialisé dans informatique et dans gestion de projet et moi fais génie financier tout. Mais à côté de tout ça, moi t'ai une chance grandi dans une famille musicien et dans environnement musical parce que effectivement dans l'environnement côté nous lever dans l'église depuis nous petit n'a chanté et Jean-Léonie dit j'ai l'impression depuis dans maman m'a fait musique. M'a apprendre des musiques, m'a pas apprendre musique et ça fait que moi-même tout, moi j'étais très intéressée à la musique. Et faut me dire que parents moi en particulier maman qui lui même tout levé dans une famille de musiciens parce que grand-père moi était musicien, il était qu'on jouait piano, il était qu'on chantait très bien. Il était prend sous lit pour te mettre nous dans des écoles côté où tu fais musique. Et c'est là que nous te fait toute classe nous digini, nous fait toute classe nous a fait musique. Et à l'âge de 12 ans, il était inscrit nous dans un cours de piano selon Verrette. Et c'est là que nous avons passé des années à apprendre à jouer piano, à approfondir nous dans la musique. Et même là, nous avons quitté selon Verrette, nous n'avons jamais suspendu, faire musique, approfondir la musique, faire recherche dans la musique. Et je dis, même si pas parlé. Donc, nous avons regardé comme si Béatrice a parlé, ou comme si nous sommes tous les gens invités là qui viennent parler de danse. J'ai l'impression d'amener la. L'a fait émission avec même l'a dansé. Ni impression on parler là on fait musique et comme si voir à harmonie, j'on fait lancer musique. Bon, gien mon k'ap di émission bien-être et beauté, qui rapport musique gien avec bien-être? Ah et ben si longtemps yo pas de connait bien fait musique sur bien-être de l'homme, moi quoi que jodi an plus que jamais musique en pile bien fait sur bien-être et nous parlerons ça tout à l'heure. Oui. N'a quitté les spectateurs yo pour un tige n'a fait la sissine. Donc n'a quitté un petit peu souffrant pour l'instant. Mm-hmm. Mais en pile un paquet de bienfaits Léonie que on monde capable de tirer non seulement dans faire musique mais encore dans écouter musique. Mais il y a des monde qui dit musique dès qui musique n'a parlé. Parler de faire musique, de qui musique n'a parlé. Parce que y a des gens qui disent, ah, pour me donner petite moi me voyer la musique, pour la apprendre faire vagabond. Mm-hmm. Comment on peut convaincre un parent pour voyer Timoni à l'apprendre, bon,
avant de répondre à la question, ça me donne un dire, est-ce qu'il y a une différence entre musiciens? Parce que là, on dit musiciens sont pas vagues. Est-ce qu'il y a une différence entre musiciens et instrumentistes? Qui sont les deux? OK. Bon, moi, je suis un musicien. Il est vrai que dans le jargon haïtien, pas nous, là, on parle de musicien, ça veut dire que c'est un monde qui jouait un instrument de musique. Mais Léonie, en fait, un musicien, c'est tout technicien qui fait musique. De façon générale, qu'on chante, qu'on joue un instrument, qu'on c'est un monde qui fait recherche et qui enseigne la musique, ou c'est un musicien. D'ailleurs, terme propre, c'est ça que je l'ai dit. OK? Et instrumentiste, c'est un aspect particulier du musicien. C'est-à-dire, un musicien, un instrumentiste, c'est un musicien qui jouait dans un instrument de musique. OK? Mais musicien, il est plus général. Il englobe tout aspect dans la musique. Là. Non, mais quand y a, comment on fait convaincre un parent qui est un monde qui fait musique comme un vagabond? Comment est-ce que c'est comme ça? Parce que, généralement, en Haïti, c'est comme ça. Il y a un petit monde, un petit garçon qui a joué au football. Hey, prenez-vous! Hey, football, vagabond! C'est ça. C'est comme si musique, tu as dit, ah! Nous connaissons des parents qui ont une grosse lutte avec un petit monde qui fait musique en cachette. Oui. Obligé à faire des parents qui ont album sorti, c'est les parents ou les vidéos ou dans des musiques. Et puis, gros saisissement. C'est ça. Bon, effectivement, moi-même, j'ai gagné en choc. Il n'y a pas trop longtemps de ça, l'année dernière, pour me recevoir un parent, un maman, qui a une petite lit, qui n'a pas appris la musique. Parce que je me dis, nous avons une école de musique, tout, qui, depuis 4 ans, a enseigné la musique à tout le monde, pour grand monde, dans différents instruments de musique. Et bien, maman, ça n'a pas appris la guitare dans l'école. Là. Et petite lit, n'a pas appris le violon. Après un an, le moins que lit pas passé, me contacter pour me comprendre ce qui s'est arrivé et me invité à passer l'école là. Et il était fini par avouer moi que c'est Maria qui dit que musique. Comment vous faites pour un petit monde dans cette musique ou vous voulez le faire? Nous pas de problème pour danse, nous pas de problème pour football. Bon, heureusement dans capable là, lui-même il pas de problème pour football. Mais musique non. Et après un an, ça t'a découragé maman, il était non seulement retiré petit monde et lui-même tout, il était suspendu faire musique. Et bien, nous croyons que Léonie, ça vient de méconnaissance de ça que musique est. Parce que, en pile monde, ouais, seulement musique, dans l'aspect vidéo, artiste, que j'en aurais en créole, artiste, c'est-à-dire des mondes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de profession, et en quelques mots, qui n'ont pas d'avenir. Et qui prend musique, justement, comme un palliatif, c'est-à-dire, puisque je n'ai pas de métier, je n'ai pas de l'autre activité, je n'ai pas de l'autre source de revenus. Donc, je suis comme dans la musique. Et généralement, les gens le font sans pas étudier, sans pas aucune notion précise de ce qu'est la musique. Donc, nous-mêmes, nous voulons plutôt parler de parents de musique tant qu'on science, parce que la musique est une science. Okay. Et ils ont même parlé de musique, c'est la science de l'ordre en toutes choses. La science de l'ordre? De l'ordre en toutes choses. C'est-à-dire, dépend de nous faire musique, ou sont les gens qui rectilignent, ou son monde qui a en pile discipline, oui, parce que musique, pour faire musique, ça demande discipline. Et bien, c'est de musique ça nous même n'a parlé. Nous ne pas parler de musique que le monde fait parce qu'on pas faire un kin l'autre bagaille, ou bien on pas jouer l'autre bagaille pour faire. Donc, en fait, c'est une sorte d'échappatoire. Mais on a parlé de musique comme la science musicale, côté où il y a une occasion pour apprendre ça y aurait les comme ça. Où il y a des gens qui font mot, qui transmettent un savoir, qui non seulement pour aller exprimer au, à l'avenir, parce que, comme dit ça, Léonie, le monde qui fait musique, c'est un autre moyen d'expression qu'on a à côté de la parole. Donc, c'est de musique ça que nous avons parlé, qui c'est une science, même dans toute science, que Timoun est même capable d'apprendre pour faire correctement. OK, c'est très bien, mais comme si dans la musique, il y a des gens qui jouent instrument, il y a des gens qui lisent partition, il y a des gens qui font partition, qui sont montrés eux-mêmes. Mais voilà, nous-mêmes nous couvrons un petit peu tout aspect ça. OK? Et aujourd'hui, nous croisons 80% de jeunes et de monde qui est dans le domaine musical qui est purement instrumentiste. OK. OK? Ils jouent un instrument, mais si vous avez fait une conversation avec eux sur la musique, ils sont très limités. OK. Ou encore, ils ne sont pas liés en partition. Donc, plus fort, monde qui dans le domaine musical de nos jours en Haïti, yo retrouvé yo dans situation ça. Ou gagne un autre groupe tout lui-même qui fait histoire de la musique, qui parle de la musique mais qui pas du tout instrumentiste. Et ou une faible catégorie, une minorité de monde qui yo même yo écrit musique. Généralement monde ça non seulement yo connaît histoire de la musique, yo connaît instrument
et tout yo écrit musique. Donc ou gen différentes catégories. Nous-mêmes dans l'école là, nous couvrons tout aspect ça. OK. Les mon venir les ça veut faire? Non, nous gagnons un programme. OK. Nous gagnons un programme bien défini et le monde en vini, nous partageons avec le programme ça et une fois que d'accord, nous entamons le programme avec. Et si les suivre le programme correctement, là non seulement en mesure pour jouer un instrument, mais là en mesure tout pour écrire musique. Donc là capable instrumentiste, là capable lire une partition et s'il veut aller encore plus loin, là capable écrire une partition. Écrire, composer, écrire partition. Composer. Composer. Exactement. Oh. OK. Oui, ça dit on prend oui? On prend ah oui. Il y a composition orale et il y a composition écrite. OK. C'est-à-dire une fois qu'on finit composer musique là de façon orale, ça veut dire où je vais non air, on nous dit qu'on vais non air, on mélodie qui passe dans tête ou chanter. Le ça lit seulement dans nous-mêmes. Mais si vous voulez partager là avec autrui, soit vous faites un enregistrement, soit encore vous couchez sous papier. Okay. De sorte vous capable de gagner de façon pérenne, c'est-à-dire que partition. Voilà. Ou écrit partition de sorte qu'on capable partager avec n'importe qui autre musicien et le ça tout capable enregistrer parce que si seulement il était au niveau oral les plus difficile pour capable dire ça c'est moi qui écrit. OK. Oui. Donc on est que gain de musique après des années, il y a pas qu'à retracer auteur. Simplement parce que auteur a pas jamais prend le soin pour que tu couché le son partition et que tu mette en bas, il t'enregistre dans la maison pour t'enregistrer. Donc ça arrive en pile. Oui. Composition basée sur son inspiration personnelle. Effectivement, il y a un aspect là-dedans, son inspiration personnelle, mais il y a un aspect standardisation. C'est-à-dire, une fois qu'on fait une composition, il faut qu'on standardise. Pour signer, pour dire, ça c'est Léonie qui écrit la musique. Ça. Et il mettait non en balle, pas seulement texte là, on a parlé de musique là lui-même, partition. Pour l'écrire, il dit, ça c'est Léonie qui était composée. Donc, des centaines d'années plus tard, n'importe qui monde que l'a interprété la musique, ça, il a toujours connu auteur là c'était Léonie. Mes amis. Ah oui. On fait mon vie faire musique là. Là. Donc mais moi même pas connu, on besoin jouer un instrument, et ça me besoin faire. Ah OK. Donc ça veut dire chaque monde a choisi ça ou voulait faire. Mais si monde dans l'école de musique gon oui, gon programme, gon programme et c'est ça que nous voulons faire pareil ou comprendre. C'est pas un bagage qu'on fait quelconque, c'est-à-dire tant qu'on son quelconque chose quand comme on dit musique. Non, c'est en science. Il y a des règles, il y a ça pour faire là-dedans, il y a des langages, même jeu avec tout ça. OK. Et pour moun chanter, il faut aller à l'école pour apprendre à chanter tout? Eh bien, moi-même, moi gagne un monde, enfin, c'est pas le monde, c'est Marie qui toujours dit, est-ce que les oiseaux ont chanté, ils ont compté tout le bagage, ils dit là. Toujours à répéter ça, li pas ouais pour qui ça, nous compliquer la musique là comme ça. Parce que les oiseaux qui chantaient si bien, il n'y a pas rien de la ronde, de la noire, de la croche. Et pourtant, l'op de nos oiseaux, c'est belle bagaille. Donc, il toujours à dire, pour qui ça nous complique, bagaille, je pense. Eh bien, effectivement, toute bagaille qui arrivait au niveau de science, c'était d'abord empirique. Ça veut dire, mon yoté gagne une série de pratiques, bien avant que yoté chita écrit, yoté gagne déjà. Ça veut dire, mon yoté qu'on chante avant yoté écrit musique. OK. Donc, ça fait que oui, il y a des gens qui chantent sans qu'ils n'aient pas l'apprendre de chanter. Okay. Moi-même, personnellement, je me levé dans le milieu musical. Depuis petit, je vois mon gens chanter, donc moi-même, je chante tout. Mais par exemple, il y a des gens qui te disent, mais comment ils chantent? Donc, nous imiter les gens qui ont chanté déjà. Donc, il est vrai que c'est un apprentissage pour la pratique. Mais aujourd'hui, en tout, il y a des écoles. Et dans l'école-là, nous avons des cours de technique vocale et des techniques de chant. Okay. Parce que mon niveau qu'on besoin aller dans le champ, il y a des conseils, il y a des techniques faut qu'on ait pour appliquer. OK, besoin ça. Oh oui, parce que professionnel de la chanson yo capable de tout ça très bien. Que il y a deux bagages, leur décider pour aller très loin dans le champ ou pas qu'à faire. Mais un exemple simple, Douglas c'est que haïtien en ville. Monde qui c'est professionnel de la chanson, c'est un bagage que pas boire du tout. OK. Oui, donc c'est un bagage parmi tant d'autres. Des conseils des à suivre, des marches à suivre, des techniques, tout. Le rap chanter comment pour pousser son son, les sons aigus, les sons graves, autant de choses que vous êtes capable d'apprendre dans l'école, que vous êtes capable de faire naturellement, mais qu'on peut faire mal naturellement qu'on ne connaît et qui à la longue capable de causer une série de problèmes de santé. Okay. Ah oui, parce que, pas oublier, la voix est un instrument. D'utiliser les cordes vocales. Donc ça veut dire, si vous ne faites pas bon usage de yo, à la longue, vous êtes abîmé, vous êtes affecté, vous êtes rendu malade. Autant de choses qu'on peut apprendre. N'empêche que les gens chantent sans apprendre à chanter.
Bon, nous faisons bon râler là, où sur la musique. Tout à fait. Nous prenons pour une petite pause, nous tourner pour nous continuer à parler des aspects musique là. Et puis qui gens pour un monde qui monde qui fait musique, okay. À qui l'âge un monde doit commencer à faire musique ou bien qui commencer à faire musique. Red branché n'a tourner. Centraca l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centraca a gagné 4 séminaires qui programmé pour l'année qui va venir. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec spécialistes États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite, fini augmenter connaissance ou pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir de janvier, vous allez payer $70 américains. Parce que jeudi à même, dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centrac à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chez Fien, c'est Fien. Si vous avez des belles cheveux bien fournis, demandez produits Centraca. Gamme produits Centraca bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si vous avez un grand monde qui a servi avec vous, si cheveux rabonnés, vous ne pas prendre un permanent, vous êtes tout calé, vous ne pas belle, vous faites chit, vous ne pas fourni, vous avez un cap. Exigez produits Centraca dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi à produits Centraca. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Centraca ouvre l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Centraca l'école cosmétologie et stage pratique dans pays à tant qu'aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis. C'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passent jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centrac à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Cheveux ou ap cassé, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission Bien-être et Beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 p.m. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après présent, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7 h PM, chaque dimanche à 2 h PM, chaque mardi à 8 h AM. Émission Bien-être et Beauté, une émission qui est supportée par l'Université Mont-Everest. Mont-Everest, il y a plusieurs disciplines là-dedans, sciences médicales, sciences infirmières, sciences de l'éducation, sciences juridiques, sciences administratives. Donc, c'est une université qui répond vraiment à standards internationaux et nous gagnons là-dedans, c'est pas n'importe qui monde qui en tête université Mont-Everest d'Haïti. C'est pressé passer inscrit parce que l'inscription est en cours pour capable choisir discipline qui vous voulez apprendre. Émission tout est supportée par Polyclinique Christina qui a deux adresses et Claircine Carrefour et presque en face BIM. Et puis nous gagnons tout numéro 94 dans rue Saint-Honoré ou même qui garçon qui gagne problème pas quitter coupe ou crase ou gagne problème infertilité ou gagne problème impuissance sexuelle c'est aller dans polyclinique Christina ou jeune docteur Watson Exantus pour avoir bon service. Émission Bien-être Beauté nous connaît ça déjà son émission qui supporté depuis toujours par Centraca école cosmétologie. Centraca école cosmétologie pas gagne prétexte année a gagne coup en semaine gagne coup spécial dimanche pour monde qui pas gain temps.
Dimanche, c'est midi pour 5 heures. Vous êtes capable de venir apprendre cosmétologie ou bien coiffure seulement. Toute coiffure en 3 mois et cosmétologie en 9 mois. Les supporter par Centraca produit pour les cheveux, quel que soit côté et en Haïti ou bien à l'étranger, c'est en écrire dans 31 53 55 39. Dis dans qui zone nous y est, n'abdou qui côté ka joindre produit Centraca ou acheter. Que cheveux naturels, que li gen des frisons là-dedans, ça nous relève permanent en langage vulgaire là, ou capable servir avec. Si moun kon grand moun capable utiliser produit Centraca et quel que soit problème peau, problème cheveux gen, c'est aller dans Delma 31 rue Jacques Premier tout prestation. Ou ap jwenn lokal Centraca qui travaille chaque jour excepté samedi 8h 5h excepté samedi s'il vous plaît 8h 5h pour moun k'ap fè corvée les samedis. Donc jodi an émission on a parlé de bienfaits de la musique, on a parlé de la musique en général parce que nous gen avec nous là un spécialiste, un passionné de la musique et madame Béatrice Georges. Les grands phrases, c'est Béatrice Florence Bastien Georges qui c'est informaticien et qui fait musique depuis 9 ans, d'ailleurs, fête nos familles musicales. Et Béatrice est directrice musicale dans l'auditorium de la Bible. Pas oublier, mes amis, l'auditorium voulait reconstruire, il a besoin de contribution. Nous tous passons par contribution, pas nous, dans l'auditorium de la Bible. N'importe qui nous bail. Nous pas besoin d'adventistes parce que l'auditorium est utile tout le monde. Oui, donc, madame Béatrice, musique, à quel âge vous avez commencé à faire musique? Eh bien, longtemps, nous t'avons dit que Fortimola, il y a au moins 8 ans, ça veut dire qu'il faut qu'on lit pour capable faire musique. Mais je dis, Léonie, depuis dans votre moment, il a fait, tout le monde commence à faire musique. Comment vous faites faire musique là? Parce que moi, je dois faire musique depuis dans votre moment. C'est parce que vous avez des instruments, vous avez chanté. Ah oui. Vous avez dans l'église, vous avez chanté, vous avez des musiques, etc. C'est ça, et bien, étant donné que l'audition bébé a développé bien bonheur, il a remarqué, et étudiant fait tout ça, il a prouvé ça, que le maman lui-même, il fait musique, il a porté bébé a, il a des effets bénéfiques, non seulement sur l'accouchement, mais sur le développement fœtus. Là. Sur l'accouchement, si mon enfant fait, il saute plus vite? Non, maman moins stressée. Okay. Non, moment accouchement. Ok. Oui, et il favorise développement fœtus qui n'a pas de lien. T'es chargé. Oui, et il y a même tenté expérience de musique que tu m'as entendu dans avant, où il passé le fait et il constaté que il reconnaît la musique. Ok. Veux dire dans votre maman même depuis dans votre maman, il a fait bébé a fait musique. Pendant que ça me tape un article parce que il y a un pile sous musique. Nous avons un article sur la musique, sur bien faire musique, sur tout le monde, sur le fœtus. Exact. Vous montrez un maman qui tendait de bonne musique. Nous allons parler de ça, de bonne musique, mauvaise musique. Après ça, de bonne musique pendant que c'est tout le monde est plus intelligent, plus éveillé. Donc ça, tout à fait, oui, oui. Et ça, ce n'est pas théorie. Oui. Ils ont prouvé, ils ont fait études sur eux, ils ont fait statistiques sur eux et ils ont constaté que c'est vrai. Donc, musique favorisée, effectivement, développement mental, pas seulement Timoun, tout le monde. Et nous parlons de ça tout à l'heure. Oui. Même dans le cas de maladies très avancées, yo fait des traitements avec musique. C'est des bagages extraordinaires. Donc, Léonie, nous, là, nous avons parlé de musique réceptive, c'est-à-dire, côté monde, attendait la musique, mais ce n'est pas monde qui a fait la musique. Nous avons dit, pas gagner l'âge, à proprement parler, pour monde faire la musique, aspect réceptif là. Parce que j'aime dire, depuis votre maman, si bébé est capable de faire musique. Ok. Cependant, pour musique active, là, ça veut dire, pour les gens qui chantent ou bien qui ont un instrument quelconque, il recommande que au moins un stade dans l'éveil arrive. Et ça fait après, le plus souvent, si les gens commencent à faire musique à partir de 3-4 ans. Mais ça, c'est un bagage. Instrument. Instrument. Mais ça, quand même, c'est un bagage qui varie dans tout le monde. Donc, c'est ça qui fait ou pas qu'à préciser un âge fixe. Mais en général, il recommande 5-6 ans, l'heure ou capable de capter l'attention de tout le monde suffisamment pour enseigner le bagage. Parce que nous connaissons tout, le tout le monde est petit comme ça, il est difficilement rester en place. Non, il est difficile. Difficile pour capter l'attention. Donc, dans tout le monde, l'autre qui varie. Mais en général, autour de 4-5 ans, c'est un âge idéal pour commencer à faire plus. Ok. Et maintenant, au moment là, je peux commencer, mais on pas moment là, je peux finir. Bon, c'est toute vie. Je devrais connaître. Parce que depuis qu'on a commencé, c'est une bagaille que je toujours dit tout le monde. Et il faut me dire ça, moi-même,
élève que moi qui piaget il gagne 73 ans et la fait la prend leçon guitare et moi toujours dit ça moi même aimer musique parce que c'est une bagarre m'a fait jusqu'à ma mort OK c'est pas moi qui mandé en grande force physique donc c'est on m'a même la force physique ou décliner ou pas faire jusqu'à ce qu'on mourir et quand au chant même sur le lit de mort oui ou pas capable faire musique donc c'est une bagarre qui fait que moi, j'aime la musique en pile. Il n'y a pas un âge pour arrêter de faire de la musique. Peut-être qu'il y en a un pour commencer. Et même lui-même, il va pas définir. Mais pour arrêter la musique, non. Il n'y a pas un âge. Il y a pas un âge. OK. Tu as parlé de bonne musique qui a un effet bénéfique sur tout le monde. C'est vraiment bien dit qu'il y a une bonne musique et une mauvaise musique. Bon, est-ce que nous avons parlé de bonne et de mauvaise? Parce que longtemps, le nous l'école, moi crois que tout le monde, n'importe qui téléspectateur, si je me demande qu'est-ce que la musique, il t'a répondu moins rapidement. C'est la manière de combiner les sons de façon agréable à l'oreille. Oui. Tout le monde, quand il définit sur ça, c'est ça, il y a la musique. Cependant, de nos jours, nous constatons d'autres choses. Et quand il s'agit de goût, ou vraiment pas qu'à discuter de ça qui est agréable et qui est désagréable. Donc là, tout de suite, définition musique là, vient changer. Pour l'autre tournure. Parce que ça qui est agréable pour Léonie, pas nécessairement agréable pour moi. Oui. Donc comment donc définir ça qui est agréable? Oui. Et d'ailleurs, de nos jours, il y a parlé de différentes sortes de musique que nous pas bien longtemps. La musique assistée par ordinateur, la musique électronique, donc parler de techno, qui c'est la musique qui est beaucoup plus bruyante que ça que nous habitués avant. Machine, machines, baronnes, c'est toutes sortes d'appareils électroniques pour produire des sons. OK? Et donc, dans génération l'autre, ça qui est agréable, qui est désagréable. OK. OK? Cependant, dans le domaine du bien-être, OK? Et côté que surtout parler de la musicothérapie, c'est-à-dire thérapie que on fait à l'aide de la musique. Et je dis à ça vient une spécialité dans le domaine de la santé. Ah, dans le domaine de la musique. De la santé. OK, dans le domaine de la santé, la musicothérapie. Et il y a un monde qui fait de ça une spécialité. Il y a aller étudier la musicothérapie. Ce sont les musicothérapeutes. Monde ça a traité monde malade à partir de la musique. Certainement, il y a une sélection qu'on est capable de faire. Donc, on y a, bah, on est probablement des comment ou quittez ça. OK. M'a parlé de effet. Mais tout le monde, de façon naïve, même le monde qui est profane, si moi t'as fait un test avec eux, moi t'as choisi deux types de musique. Une musique qui est très, très bruyante. Une musique qui est calme. Et puis, moi, j'ai demandé pour le dormir. Rapidement, si je me dis que je choisis une ou deux pour le dormir, je choisis une musique qui est calme. Ça dépend des gens qui sont bons tropicana pour mettre dans les oreilles pour le dormir. Mais certainement, c'est pour un tropicana qui peut gagner un paquet de bits là-dedans. Parce que le corps qui a besoin de repos, difficilement capable d'adapter pour le reposer avec un bagage qui a un pile bruit là-dedans. C'est ça qui fait qu'en musicothérapie, il a utilisé variété de musique comme le jazz et même jusqu'au reggae, okay, qui est parfois quand musique assez bruyante, mais il a sélection effectivement de musique pour faire. Parce que Léonie, toute l'autre considération mise à part, il prouvait que il y a des musiques qui rendent plus agressifs. Oui, ça me doit dire mes faits. Ah oui, ah oui. On a parlé de musique, mais quand même, il faut une sélection dans la musique. Et il s'est prouvé que gain de groupe, gain de pays était carrément interdit de jouer. OK. Parce que chaque fois que vous jouez, c'est violence, c'est agressivité et ils ont enregistré un seuil de violence plus élevé, donc ils étaient tout de suite comprendre que c'est musique que vous jouez qui rend monde plus violent, plus agressif. Okay. Donc ça existait tout. C'est ça qui fait quand même, c'est vrai que nous passionnés de musique. Des musiques là qui viennent agressif là. Et monde qui entend des musiques là qui viennent agressif là. Vérité. Ah oui. Ah oui, donc nous pas besoin de parler de monde qui joue musique là. Oui. OK. Le monde qui joue musique là, avantage que le gagne c'est que lui-même il font choix de musical. C'est-à-dire c'est lui-même qui choisit de jouer musique ça. OK. Donc il déjà maîtrise musique là, il déjà qu'on est fait rien sur quoi. Il maîtrise ça sont l'autre aspect encore dans musique là que nous ca un petit peu parler de lui. Cependant, le plus souvent, effet c'est ce monde qui écoute musique là. OK.
qui lui-même pas maîtriser musique là, il juste à écouter. Okay. Et donc il agit sur mon nom et il porte soit plus volant soit plus calme. Donc quand même musique sont mon bagage, mais il faut que qu'on sélectionne la musique. Un choix. Dépendamment de ce que je fais. Ensuite, pour chaque activité qu'on gagne, on choisit une musique différente. Okay. Par exemple, si je fais sport, c'est sûr que ce n'est pas musique classique, slow que je vais écouter. Okay. Finalement, je dors. Okay. De même, si je fais une route qui est longue, si je mets une musique classique slow, je dors. Ça veut dire qu'à chaque activité, on a une musique qui est adaptée. Non, mais là, ça, c'est mon nom pour faire personnellement ou bien on va qui inné ou bien par contre une logique, un raisonnement ou bien qui ça? C'est le bon sens logique okay. qui est capable de guider mon nom, mais il y a aussi des spécialistes qui sont capables de conseiller au monde sur le choix de musique pour chaque type d'activité. Ok. Ok. Parce que l'agencement sonore, il y a plus à aller avec une série d'activités que de l'autre. Et en musicothérapie spécifiquement, il y a utilisé la musique qui agit sur les sens. Mais qui adoucit les sens. Parce que ça que j'ai cherché justement, c'est permettre que mon qui est stressé capable de relaxer, mon qui a souffert capable de soulager la douleur. Donc, il y a un type de musique certainement que j'ai réalisé qui fait ça beaucoup mieux que de l'autre. Bon, il y a des artistes là, mon a joué, comme si qui calme, il y a tout qui très agité. Donc, il y a des gens qui ont été tout à l'heure, c'est qui m'a parlé. Il y a des gens qui ont été capables d'alcool, des gens qui ont niveau plus haut. Est-ce que ça, c'est dans la formation musicale ou bien c'est dans le tempérament? Ok, bon. Ni une ni l'autre, en fait. Parce que la musique, c'est un art qui est très spirituel. Et le nom dit spirituel, nous ne parlons pas de religieux. Pour nous faire la différence là. Ça veut dire que c'est un bagage qui agit sous l'esprit. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a constaté ça depuis très longtemps. Et c'est ça qui fait que. Dans le service religieux, on peut utiliser un style de musique. Parce que le monde entendait la musique ça supposait calmer. Et bien, de même temps, dans des états, il y a de musique lui-même n'est pas calme. C'est tout le contraire. Il suscitait la chaos, on envie d'agir, on envie de réagir. Il suscitait la chaos, même parfois colère et réaction. Donc, ça ne dépend de style de musique. Là. Et nous ne pouvons pas négliger. Que la musique, tout, Léonie, oui, qui allait avec des esprits. Ok. Ah oui. Et il y a des auteurs qui disent ça, que même le a composé ou pas composé comme ça. Il y a toujours des esprits auxquels ils ont fait appel. C'est vrai. Ils ont composé la musique. Oui. Et c'est ça que fait, le monde qui connaît la musique toujours dit jeune, ce n'est pas toute musique qu'on entendait. Parce que chaque musique est originée, il y a une raison que vous composez. Et il y a une situation que vous composez. Et il y a même qui est composée pour des services bien particuliers. Par exemple, nous avons dit ça, comme ça passe dans l'esprit, en musique, Céline Dion fait. Côté la dedans il y a un habillement, j'en habillé. C'est des représentations esprit même qui la donne. C'est très, okay. très, comme très si, probable. Comme si je cite, c'est parce que je ne sais pas la musique là, exactement, mais son musique, Marie-Moi, mais Céline Dion, pile. Ok. Je me dis, ouais, musique ça, son musique satanique. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est sordien pour me courir, sordien. Mais sauf que, comme si il y a des gens pour le jouer, ou après il y a des artistes, les lap chanter deux yeux fermés. Ok, bon, ça c'est pas nécessairement un esprit, mais ça c'est. Effet que la musique a gagné sur le monde. C'est-à-dire la musique a tellement traversé, la musique a tellement dominé, et si la musique a gagné parole même, parole, musique a gagné tellement traversé, que pour le vivre davantage, il ferme deux yeux pour le couper du monde qui est autour de lui. Non, mais pendant ce temps, je ça. Pour ne pas perdre, je vais faire une voix. Faut que je me ferme. Il y a des niveaux pour me prendre. Ah, ben voilà. Non, ça... Donc, ça veut dire, ça permet à l'artiste ou bien auteur, le monde musicien, pour couper de l'environnement extérieur et pour que les concentrer, les connecter totalement dans sa affaire. Okay. Non pas que un esprit externe quelconque qui concerne une dominance sur lui, mais musique que l'a chanté ou bien que l'a écouté ou bien que l'a joué, est tellement traversé, il a un effet sur l'esprit pâle. Okay. Elle fait agir ou bien comporter d'une certaine façon. Ok. Okay? Composition pour mon composant musique. Il dépend de qui ça cap traverser. Moi, il y a des gens, selon les gens qui ont chanté, ils disent, ah, un tel très malheureux en amour. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai, cependant, il faut nous prudents. Parce que, en pile, les chanteurs que nous avons aujourd'hui, ils n'ont pas composé.
Ah, il pas composé. Non, il n'y a pas composé. C'est seulement interprété, interprété. Il okay. y a des spécialistes, des monde qui spécialisent en écriture et en composition, qui composent pour eux. Ah, ok. Ah oui. Donc, fort souvent, ça a chanté, c'est pas histoire par eux. Ok. Il y arrivait tout parfois que il y a une histoire, mais puisque il y a même pas des spécialistes en composition, il partager histoire ça avec spécialiste là et lui-même il mettait par écrit. Voilà, il mettait par écrit, il composait une mélodie calée avec parole pour moi. Ah bon, c'est une bonne nouvelle parce que moi toujours connais que mais très souvent depuis un artiste exécute un chant, il dit ah, c'est pas c'est pas nécessairement vrai. OK. Parce que un pile artiste pas composé. OK. Il est interprété ou il y a un monde qui écrit pour eux et il interprété. Mais oui, effectivement, le monde ou composé, inspiration vient très souvent de situations qu'on vit. Ok. Et gain de monde tout, c'est sous certaines conditions qu'on est capable de composer. Ok. Ah oui. Oui. Donc ça veut dire, faut qu'il y ait dans tel environnement, faut qu'il y ait dans telle situation pour que inspiration vienne. Ok. Gain de monde c'est comme ça. Mais gain de monde tout, ça dépend de situation. Hein? La pose en mélodie, l'entend d'elle qui fait triste. Ou bien la pose en mélodie, l'entendre qu'il faut content. Okay. Ça c'est pour dire comment la musique agit sur l'esprit, non? Il y a une musique dépotente, il faut carrément sentir déprimé. OK. Jean auteur l'a écrit là, on dirait lui-même c'est dans situation saleté. Donc ou même tout l'entendre musique là, il gagne même effet. Il gagne même effet à ça. Okay. Donc c'est non pas dire que musique sont pas méprisables. Tout au contraire. Cependant, musique c'est un bagage que nous devons faire avec soin. Parce que les gens en pile, et plus c'est fait que nous pensons sur le corps et l'esprit humain en particulier. Mais sauf que les jeunes capitaines de l'œuvre disent « Madame Béate, ça parle là, on a mal fait musique pour m'baka, pour mal mourir pauvre. » Eh bien oui, Léonie, nous sommes capables de dire c'est une réalité. Il est vrai que je dis un grand artiste qui fait musique, qui est millionnaire, qui réussit vie, mais quand même, c'est des situations particulières. Effectivement, si nous regardons dans l'histoire de la musique de tous les temps, et ce n'est pas seulement en Haïti, hein, il y a encore plus vrai dans le pays en voie de développement. Okay. Cependant, c'est une réalité mondiale. Que la musique pas nourrit le monde qui fait là. C'est connu. Donc, nous ne pas pouvoir aller dire par eux, quitte si nous faisons musique, oui, on vit la musique, oui, on va venir avec nous. Cependant, nous avons dit par eux et à jeunes, tout cas, écoutez nous là, que la musique c'est un très bon bagage. Que l'école, il faut pas laguer l'école. Okay. Donc, on va dire personne, laguer l'école pour faire musique parce que la musique est capable de nourrir. Oui, c'est vrai que il y a des cas de monde qui vivent de la musique. Mais dans le monde, et surtout dans les pays en voie de développement, c'est un moment qui est évident. Donc, nous toujours suggérer aux jeunes, gagner avenir, préparer l'avenir comme ça doit. Mais faire musique, parce qu'à côté de l'avenir, la musique est capable d'ajouter des plus. Okay. Et la musique est capable d'aider davantage pour tout le monde à l'école. Nous parlons de bienfaits tout à l'heure, Léonie, de tout bienfait que la musique a gagné sur l'apprentissage. Donc, nous encourager tous les parents à côté de l'autre cours scolaire que tout le monde fait musique. Très bien. Donc, c'est ça. Je veux dire, nous parlons en pile de musique. Nous avons une troisième partie, nous avons une pause tout court pour nous parler de qui sa musique fait pour le monde qui fait et pour le monde qui attend ou bien qui pratique. Très bien. Nous avons une pause à Naptone. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Centre Akalouvi est l'école cosmétologie à niveau international. Dans Centre Akal, l'école cosmétologie, et stage pratique dans le pays à travers les États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passent jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques 1er, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Kaka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, cheveux se fiatin? Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centre Kaka. Gamme produits Centre Kaka bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si vous avez un grand monde qui a servi avec vous.
Si chevaux rabonnés, yo pas prendre en permanent, doit être tout calé, yo pas belle, yo fait shit, yo pas fourni, yo gain cap. Exigez produit Central Car dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui femme servi à produit Central Car. Relais Central Car dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Central Car pour une chevelure à fière allure. Cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 h PM, relais Central Car dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Central Car l'école cosmétologie a fait tout esthéticienne avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Central Car gagne 4 séminaires qui programmé pour l'année qui va venir. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire sa yo a réalisé avec spécialiste États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite. Fini augmenter connaissance ou pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir janvier, on va payer $70 américains. Passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques 1er à côté la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centra à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Nous tournons après pause. Pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7 h PM, chaque dimanche à 2 h PM, chaque mardi à 8 h AM. Émission disponible sur YouTube. Sans nique taper émission Bien-être et Beauté. Et vous avez en pile émission, pile sujet qui intéresse parce que nous sommes troisième année. Nous. Donc, ouais, vous avez pile émission pour garder. Pas regarder, il faut agiter, donc garder belle émission qui bon bien-être. Je dis une émission, hein, et nous sommes ensemble avec nous, Madame Béatrice Bastien Georges. Nous avons parlé de musique. Sous gratter deux parties, ou bien pour reprendre ou bien le prendre sur YouTube. Nous allons parler de bienfaits musique là. Avant nous te proposer de dire que moun pa ka vivre seulement de musique et il est intéressant et c'est ça que fait parents ou a courir des ti moun yo. C'est musique plus étude. Oui. Et plus ou performant, plus ou bon niveau intellectuel pour tout ça ou a apprendre, c'est un plus que li. Donc rete l'école après Béatrice fait génie. Donc il fait étude que le fait, mais il fait musique tout. Mais pas prendre musique là pour seul moyen. Et nous connaissons pile monde qui fait musique là seulement nous comment yo fini. Donc et pour réussir manger avec lui obligé additionner des bails néfastes pour société a qui pas ba ça ou ta espérer. Donc pas musique seulement, c'est musique et autre. Mm-hmm. C'est ça. Oui, alors Léonie veut mettre un petit bémol quand même. Oui. Nous pas dit que monde pas ca manger à musique parce que gen monde qui arrive faire. Oui. Mais nous dit que li pas toujours évident. Oui. Et ça fait nous encourager Timonio pas la gueule studio pour faire musique. Mm-hmm. Qu'elle étudie parallèle et faire musique parce que mariage ça n'y pas plus de résultat. Ouais. Donc même encourager pour faire. Ouais. OK. Non, pas un problème, non. Mm-hmm, c'est ça. Bien fait qui gagne en musique là. C'est monde qui fait par exemple on parler de musique active, on parler de musique passive. Mm-hmm. Est-ce que c'est monde qui fait le que jeune bien faire ou bien c'est monde qui tend des musiques là ou bien maronné qui est-ce qui jeune bien faire? C'est une très bonne question. En fait, Léonie, c'est les deux. Ok, c'est tous deux groupes mounio qui bénéficient de musique. Mm-hmm. D'abord, moun kap fè la, ok, soit kap chante ou bien kap joue un instrument, et moun kap tande l'autre. Il y a un effet sur tout l'aide. Et pour moi illustrer ça, moi je voulais partager, parce que à chaque fois que j'ai occasion, je toujours partager cette expérience ça avec le public là. De yon entrevue que je t'ai écouté dans la radio il y a des années de cela. Avec un journaliste bien connu de Haïtien, c'est Nancy Wa, qui a fait une entrevue avec un spécialiste de la santé au Canada. Qui a exprimé comment pour gérer le stress, pour faire sport, etc. Et à l'époque en Haïti, le SAT, la sécurité qui a augmenté,
Et Nancy Walk t'a posé une question pour lui-même, son question colle, une question piège que le posait le spécialiste. Il dit comme ça, dis-moi, est-ce que Haïtiens, c'est des gens qui sont condamnés? Parce que nous-mêmes en Haïti, si nous avons moyens pour nous payer le club, pour nous faire sport, nous tellement peur que nous ne pas sortir, nous fermer tête nous la reine. Il dit, et les gens qui ont moins peur, qui sont sortis, ils n'ont pas de moyens pour payer le sport, pour aller dans le club. Il dit donc, finalement, tous les gens virés Haïtiens, c'est des gens qui sont condamnés pour stress tout. Et puis il dit, donc, qui sont proposés pour Haïtiens faire? Parce que ils sont condamnés. Et puis calmement, il te répond, et me dit, pour chanter. Ok. Même tu as suivi l'émission, ça fait plus que 10 ans. Je me dis, tiens, je pense ça bizarre. Et puis Nancy Walk dit, mais comment ça chanter? Il dit, oui, Dio peut chanter. Parce que chant, c'est un bagaille qui aide les gens à gérer le stress en pile. Et musique, de façon générale. Et il a partagé avec Nancy Walk et tout le monde qui a entendu l'émission, ça, que au Canada, il y a une expérience extraordinaire qu'il a fait. Dans l'école publique, yo, côté très souvent, il y a une délinquance, une violence, les gens qui ont goûté contre les gens, ils ont établi des chorales. Dans l'école, ils ont fait des chorales. Et dit, et mais depuis qu'on commence à faire ça, la délinquance diminue de façon extraordinaire. Parce que si on a chanté, déjà, chanter, c'est un sport. Parce que il fait travailler plusieurs organes dans le corps. Okay? Dans le système respiratoire, dans le système digestif. Il fait travailler tout organe. Donc, il procure du bien-être. C'est ça qui fait que l'homme a chanté, il sent bien comme ça. Okay. C'est parce que l'organe respiratoire, yo, en particulier, qui travaille, et il fait R plus R entre dans le poumon, il faut respirer plus bien pour que ça fasse tout aussi bien. Okay. Ensuite, il y a aussi ça qui relève les endorphines, qui sont des hormones. Du bien-être. L'homme a chanté. Voilà. Et bien, l'homme a chanté, l'homme a coûté tout. De bonne musique. Exactement, des musiques qui agissent positivement sur les sens, eh bien, vous sécrétez des endorphines. C'est ça qui fait que vous sentez aussi bien. Et là, vous faites tout constat ça, vous venez réaliser que donc vous êtes capable d'utiliser la musique non seulement tout simplement pour vous monde sentir mieux, mais encore en lieu et place de médicaments. Ok. Chanter donc, assez, chanter là, caïmoué, ou bien chanter dans un groupe, ou bien dans qui ça? Chanter. Chanter. Que c'est chanter dans un groupe. Sous direction en guide, que c'est chanter la car ou l'on dans la chambre ou fait fausse note ou l'on a chanté les bénéfiques. Ok. Ok, ça c'est moun qui a fait musique là. Ok. Et même, il y a des médecins qui prescrivent maladie le matin pour souffler des ballons. Vous soufflez plusieurs ballons, la aider avec respiration cardiaque. C'est pas sans raison. C'est parce que l'organe qu'on utilise pour souffler ballon, c'est le même organe sans cotiser, vous soufflez un instrument. Un instrument avant, par exemple, et donc, vos forces sont tout plus bien, parce qu'à ce moment, plus air entre dans l'organe, et bien, on respire plus bien, et donc, on sent tout plus bien. Ça, c'est le monde qui a fait la musique. De même aussi, ils ont constaté et fait ça, sur le monde qui a écouté la musique. Là. Monde ils n'ont pas fait la musique, mais ils ont écouté le monde qui a chanté, ils ont écouté le monde qui a joué l'instrument. Et bien, ils même tout, ils bénéficient. Ceci est tellement vrai que j'ai eu une expérience qui a été faite dans un restaurant qui s'accréditait. Ils voulaient tester comment la clientèle était réceptive à la musique qui a passé dans le restaurant. C'est-à-dire, très souvent, dans le restaurant, ils ont une petite musique qu'ils mettaient pour mettre de l'ambiance. Parce que j'aime dire non, leur mettre la musique, ils ont effet sur mon lieu. Eh bien, ils ont fait une expérience. Non, au premier temps, ils mettaient une musique qui est très très bruyante. Musique un pile jeune de nos jours, qui fait un pile bruit. Mais qui ça a constaté? Les gens qui viennent dans le restaurant le plus souvent, c'était le soir, c'est des gens qui sont au travail, qui sont fatigués, ou bien qui sortent, viennent passer un moment avec un ami. Et bien, leur mettre la musique bruyante là, ils ont constaté que les gens ont empressé de manger et de partir. Pour presser sur le bail ça. Empressé, sans que vous n'ayez conscience que c'est la musique là qui fait ça. Okay. Parce que vous mettez la musique là au niveau acceptable pour que ne pas déranger mon entrope. Cependant, vous constatez que mon empressé de terminer de partir. Deuxième expérience, vous mettez une petite musique calme, relaxante. C'est-à-dire, vous déjà connaissez qui t'a relaxante. Et bien, vous constatez que non seulement vous faites plus dans le restaurant,
il aurait été fait plus de temps à parler. Et donc, tant qu'il a parlé, il a commandé. Et donc, le restaurant lui-même, il fait plus de ventes dans le moment ça. C'est pour me dire non, comment la musique, mon agit. Capoté, l'agit sur quoi. Et pour aller encore plus loin, Léonie, c'est à partir du 20e siècle, au début du 20e siècle, que je suis conscient de tout bienfait musical à tel point que je viens faire de lui en science de traitement, j'aime t'as dit, la musicothérapie. C'était lors de la Première Guerre mondiale. Soldats blessés, ils ont constaté que leur mettre musique pour eux, ils souffrent moins. Okay. Ils plaignent de douleur moins. Okay. Ils crient moins. Ils sont plus calmes. Et depuis lors, ils ont commencé à utiliser la musique pour traiter les gens qui sont malades. Okay. Et nous ne pas parler de maladies mentales seulement, mais aussi maladies physiques. Oui. OK? Et aujourd'hui, Léonie, ils ont utilisé la musique pour traiter les gens qui sont autistes. Donc on, ça veut dire que les gens qui sont autistes, ça veut dire que sont des gens qui sont coupés du monde extérieur. Ils vivent dans leur propre monde. Et bien, ils ont utilisé la musique pour traiter les gens. Parce que aujourd'hui, il agit sur le développement mental de Timonna, donc il stimule la communication avec le monde extérieur. Okay. Et plus loin encore, il utilise la musique pour les gens qui ont un problème de démence. Parce que il permet que les neurones qui ont perdu la connexion soient reconnectés encore. C'est bagage. Les gens qui font schizophrénie, les gens qui font Alzheimer, les gens qui font maladie Parkinson, autant d'applications de musicothérapie que vous faites aujourd'hui. Donc, c'est le bagage extraordinaire. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Musique, là, il fait en pile, en pile, en pile. Il a fait en pile bagage pourvu qu'on prenne soin pour choisir. OK. Même pas qu'il y a des gens qui n'entendent pas de musique, c'est tout le monde qui entend de musique. Ah, bon, ça, c'est une très belle question. Eh bien, vous connaissez, ça arrive à des gens qui parlent de musique. Ah, mon père aime la musique, ça l'apprend mon lot. Ah! Il a aimé vaudou, l'apprend mes protestants. Ah, protestant, l'apprend mes classiques. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez ça? Ça, c'est logique, mais pas totalement vrai. Oh. Oui, il y a des maladies que vous découvrez chez des mondes qui n'ont aucune sensibilité pour la musique. Bon, ça, il y a des sons qui sont rares. Ah oui, il peut être rare, mais il existe. C'est-à-dire, c'est comme si dans le cerveau, une partie qui peut permettre de faire connexion oui, après, artistique, yo, il n'est pas développé. Mais le monde ne va pas chanter, il ne va pas faire rien. Il n'est pas intéressé par la musique du tout. Okay. Musique, pas dit lui, rien. Ça est dans le livre, lui, mais on ne va pas constater un monde comme ça. Moi-même, je n'ai pas que j'aime rencontrer un monde qui raille musique. C'est-à-dire que la musique elle, est totalement indifférente. Je n'ai pas rencontré ça. Mais dans la recherche que je fais, oui, j'en dis effectivement, oui, il a attesté que il y a des monde qui carrément pas réceptif à la musique. La musique, pas dit rien. Il est presque dégoûté de musique. Mais ce n'est pas un aspect physique, c'est son problème mental qui fait ça. Qui fait ça? Bon, okay. Nous ne parlons pas de son problème, mais c'est une particularité mentale qui fait que le monde est carrément pas réceptif à la musique. Oh. Donc, c'est pour dire que la musique censée accessible à presque tout le monde. Par contre, moi-même, dans l'expérience PAM d'enseignement, effectivement, le monde n'est pas réceptif à la musique à même niveau. Oh oui. Non. C'est choix. C'est pas un choix, c'est naturel. Il y a des élèves, moi songe moi intégré un élève, nous avons un cours que m'tap dispensé, un cours de solfège. Li suivre courant pendant 3 ans consécutifs, il pas réussi. OK. Et pourtant tout le monde qui vient dans cours, c'est fait 6 mois et puis fini. Mais lui-même, c'était 3e fois, il t'a suivre même courant. Les mêmes notions, il pas réussi. C'est-à-dire que oui, nous tous pas réceptifs à la musique ou à quelque soit science, dans quelque soit matière, là, oui. De la même façon. Non, ça, c'est pour l'apprentissage. Voilà, pour l'apprentissage, il est valable aussi pour la musique. Donc, mais ça c'est veut dire, c'est que le même musique, il n'a pas qu'à faire musique. Voilà, c'est ça qui est étrange, là. Oui. C'est que le même musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème, puis c'est sûr que nous ne s'adaptons pas tout à l'heure. Cependant, il n'est pas arrivé à percevoir le même tout le monde. Bon. Ça, c'est ça arrivait, même si tout le monde ne perçoit pas mathématiques, même genre, même si tout le monde ne perçoit pas physique, même genre, et bien tout, même si tout le monde. Ça, c'est compréhensible. Pas arrivé. Et pourtant, il retournait 3 ans de suite. Et pour dire nous comment il était voulu arriver, faire. Mais il n'est pas arrivé. Ben bon, c'est pas pour lui. C'est pour connaître que. Voilà, donc, même genre, toute science, il y a des monde carrément qui n'est pas très réceptif à la musique. Bon. Ça, c'est on constate. L'amour n'est pas suffisant. Non, il n'est pas suffisant. Il y a une aptitude de toute façon que vous avez besoin. Je souhaite me
réceptif donc. Nous pensons ça. Donc émission ça c'est arrivé dans la fin. Si tu as un dernier bagaille pour dire musique bien-être pour finir. Eh bien moi-même puisque moi-même j'ai un paquet d'années à faire musique et l'hypothème que du bien. Moi-même message moi est à jeunes qui écoutent yo, à parents qui écoutent aussi autour parce que c'est eux décideurs parce que c'est eux qui financent, c'est encourager à faire musique. Nous pas dire toutes sortes de musique mais musique qui gagne en coordination là-dedans, côté capable un guide qui montre comment pour faire, encourager lui et moi-même moi tellement croyant dans ça que moi t'ai dit déjà depuis 4 ans moi lancé dans un combat parce que quoi moi Léonie c'est un combat pour gagner une école de musique en Haïti. D'abord pour première raison que tu cité importance que baba musique et j'ai dénigré, j'ai considéré jusqu'à présent. Mais encore pour combat économique qui gagne. Ça veut dire que ce n'est pas le premier choix par an pour mettre un petit monde dans l'école de musique parce que l'école n'est déjà pas payée. Donc ce n'est pas un coût de musique que, que la pas payer pour tout le monde. Donc c'est un combat. Et donc, m'inviter tout le monde qui aime la musique entrer dans le combat ça et supporter le monde qui a fait le combat ça. Parce que pour bien faire la musique gagner, c'est un bagage pour nous encourager dans toute l'école. Oui. La paix et l'intelligence. Pour tanger musique. Et monde qui est capable même faire de façon plus particulière, qui est capable de payer une école de musique, fait. Ça fait nous toujours prendre le soin pour nous faire des camps d'été chaque année, côté que nous faisons, nous apprenons à jouer un instrument de musique. Nous apprenons à faire chanter, nous apprenons à jouer un instrument, en façon pour développer le talent artistique et l'autre talent artisanal que nous gagnons tout, en poterie, en macramé, en l'autre bagarre artisanal. Et chaque année, tout, nous toujours prenons le soin pour nous faire des récitals, pour nous montrer mon yo, mais qui ça des petits mondes, des adultes de tous les âges capables de faire. En façon pour nous faire promotion musicale. Parce que Jean, spécialiste à te dire, si nous tous faisons musique dans le pays, je pense que tu as moins de monde fou, tu as moins de monde agressif, moins de monde délinquant, foyer tu as porté au mieux. Et Haïti en général, Haïti tu as porté le mieux. Oui, tu as bien fait bien-être. C'est un plaisir pour me tu as parlé avec passion. Moi aimer ça. Tu as parlé avec toi moi m'a parlé de cheveux, comprends? Donc nous dit ça déjà dans l'émission ici à côté que choix de profession côté capable bon bien-être ou faire son remet. Ba ya tes font pareil que le remet. Donc ouais, l'a parlé de ça avec passion. Donc c'est un plaisir pour me comme invité aujourd'hui dans l'émission bien-être et beauté, je pense que c'est pas une dernière fois. Donc même tout. Un grand merci. Oui, donc c'était un plaisir pour moi tout pour être avec nous et bien entendu, nous toujours disponibles et disposés, quelle que soit l'invitation venue pour nous répondre. D'accord, merci. Avant nous aller, nous rappeler que l'émission Bien-être et Beauté, sinon là aujourd'hui, c'est grâce à Centraca produit pour les cheveux, Centraca clinique pour cheveux, mes amis, pas gaspiller l'argent, nous n'acheter produit pas bon pour cheveux nous, viennent font test pour cheveux nous, c'est pas cher, c'est une misère. Ou faire un diagnostic pour sa cheveux en gain, qui sa cuit cheveux gain, donc pour pas gaspiller l'argent, gaspiller temps et pour où est cheveux dans tête monde on va parler de cheveux à l'imparfait. Venez dans Centraca dans Delma 31 rue Jacques Premier, nous ouvrons chaque jour, même jour dimanche parce que là nous dit chaque jour nous demandons si nous ouvrons dimanche tout. Donc nous ouvrons même jour dimanche, c'est seul samedi nous fermé. Et les jours fériés nous ouvrons tout. Donc chaque jour excepté samedi 8h 5h, n'attend tout le monde et sous besoin horaire spécial soit avant 8h ou bien après 5h ou juste relé dans 31 53 55 39 ou bien dans 43 06 42 85. Et puis ou même qui besoin apprendre une profession de valeur, une profession tant que cosmétologie, j'en offre un standard international, une salle climatisée, une salle qui répond au bien-être de l'apprentissage. Donc internet disponible pour vous pour capable faire recherche. Donc c'est venir dans centre à école cosmétologie. Inscription est avancée. Nous gagne groupe week-end, on spécial dimanche midi pour 5h et nous gagne coiffure que nous offre tout qui en 3 mois, donc il est facile pour une profession pour ne pas arrêter sous dépendance tout le temps. Donc, si vous avez un deal, payez un coup pour laisser après tirer tête tout en bas, vous avez un coup pour capable utile tête tout. Et en janvier, nous allons faire un coup sous manicure, pédicure. Donc, nous baillons par étape parce que Centraca Institut de Beauté, c'est vrai, un vrai institut. Pas oublier que nous avons une émission supportée par l'Université Moïse-Vresse d'Haïti, il est supporté tout par Polyclinique Christina. Donc, nous allons, nous te remons en pile, nous remons toujours. Et pas oublier, c'est saison cyclone, mes amis, nous avons déplacé. Prends information pour nous connaître. Côté nous aller, est-ce que pas de l'eau, est-ce que pas de route qui coupe, côté pour aller, est-ce qu'on va à l'abri et ou même souhaiter nous en caille tout, qui pas en sécurité, cherchons l'autre côté pendant la pluie pour ne
préparer parce que vie plus important parce que toute sorte qu'a posséder. C'est moi-même Léonie Desroses, infirmière trichologiste qui dit moi en pile libre rendez-vous pour semaine prochaine pour une plus belle émission. Bye bye. Cheveux ou cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 p.m. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.